Oh non. Ah. Salut les pilotes, on se retrouve pour un nouveau summit dans The Crew 2 et la summit de cette semaine c'est Untamed Italians. Donc on va rouler en belle italienne et ça c'est plutôt sympa parce que j'ai toujours eu un petit faible pour les belles italiennes. J'aime ça, les Ferrari, les Lamborghini, les Maserati, j'aime ça. Seul problème que je pourrais avoir c'est qu'elles sont chères. Alors, on va récupérer nos récompenses du summit précédent. J'ai pas pu avoir la... J'ai toujours pas pu avoir la Thunder Wave Edition. Hein. Bah non. Il me manquait genre... 60 000 points, quelque chose comme ça. Pour avoir le platine. Bon, c'est pas grave. C'est toujours comme ça quand il y a une voiture à gagner, de toute façon. Allez. Et les récompenses de cette semaine-ci, ça va être des pneus verts, des pièces boostées légendaires en drift. Et en plus, j'aime bien ce que je vois là. C'est du doubleur de score. Ça, c'est sympa. Puis le Huracan Performante, ça aurait été sympa, mais j'y crois pas trop. Bon, voyons voir à quoi on a affaire. Bon, déjà, on a une épreuve en aérobatique. Allez, c'est parti. On y va. Ça fait un petit moment que j'avais pas utilisé mon avion. Oula, oula. Ouais. Bon, ok. Je crois que ça se va peut-être. J'avais oublié qu'il était aussi rapide mon avion. Presque. 23 000 points. Bon, ok. Ok. On va en rester là pour le moment. J'ai eu un nouveau fuselage, ouais bon, utilité de la chose, discutable. On a un slalom, mais je ne sais pas si c'est un slalom. Je pense que ça doit être un slalom en bateau, ouais. Bon, c'est parti. Oh non. Ah. Oula, mince, désolé. Ah mince. Bon. En plus de lui avoir roulé dessus, le pauvre, au pauvre petit là. C'est reparti. Il était rapide, Clarence. Ah non, non. Je suis arrivé au bout, mais je pense que je vais le refaire une dernière fois. C'est là, je me suis mangé un bateau au milieu de la session. Qu'est-ce qu'il fait garer là, lui? Il est sérieux? Il y a beaucoup trop de monde en fait. Hein. Oh là là, mais c'est pas possible. Ah.
Je viens de perdre énormément de temps. Bon. On va en rester là pour le moment. 126 000 points, c'est pas mal déjà. Et puis, j'ai un défi fuite. Là, par contre, je pense que ça va se passer en voiture. Hein. Oh, une neige. Génial. On a de la circulation, tiens. Pas extraordinaire là. Je vais essayer dans l'autre sens pour voir. Pas sûr que ça fonctionne. Quoique ça a l'air mieux. Quand on est trop souvent à la perpendiculaire du cercle. Allez, de la ligne droite. C'est parti. J'ai fait de mon mieux. Bon, c'est parti pour les vraies épreuves. On a un street race à faire en Ferrari. Bon, ben, je vais faire ça, je pense, avec ma F12. Je crois que j'ai la F40 aussi. Ah, j'ai la F12, la Testarossa et la F40. Mais je vais faire ça avec ma F12. Ok, c'est parti. Allez, on croise les doigts. C'est marrant, elle a le même bruit que ma la Ferrari. Tout ça parce que c'est un V12. Là aussi. Un V12 Ferrari. Leur son d'IA, ça fait le même bruit. C'est easy.
Bien que je touche un mur. Et voilà. ...128 000 points, c'est déjà pas mal, mais je peux améliorer. C'est ça qui est le plus drôle. Bon, alors, je vais faire... cette autre streetrace là. Avec aucune restriction, juste une italienne donc? Non, vraiment aucune restriction? Ah ouais, aucune restriction. Ah bah les gars sont chauds. Je pourrais le refaire. Bah, je vais rester dans le thème italien. Je vais prendre ma F12 qui est une très bonne voiture. Pourquoi aucune restriction, c'est bizarre. Plus vite, plus vite. J'ai failli manger les voitures stationnées. C'était pas mal. Je me mange des glissières.
5 minutes later. Là aussi je peux améliorer. C'est marrant. Alors ensuite j'ai un hypercar sans restriction aussi. Mais les gars, à quoi bon si vous mettez pas de restriction? Bon, je vais y aller avec ma LaFerrari, mais voilà quoi, il fallait mettre au moins le faire en italienne quoi. Écoute ce que dit ton moteur et tu vas tout déchirer. Je vais peut-être enfin me servir de mes freins. Ah non, non, toujours pas.
Ah, peut-être là-bas. Je vois sur le GPS que ça a l'air un peu serré. Eh ben non. La pédale de frein ne servait à que dalle dans cette épreuve. Bon, ensuite on a une épreuve en touring car et après on aura une épreuve en rallycross. Comme touring car, non, je vais prendre ma FXX. Enfin ma 599 et vous, pardon. J'ai dit la FXX. La FXX, le low. Mais la 599 roule mieux. Go. Finalement, c'est dû aucune restriction à chaque fois, en fait. Allez, je t'envoie des ondes positives. Et voilà, arrivé. Bon, du rallycross, est-ce qu'il y aura... Est-ce que c'est encore une fois sans restriction? Aucune restriction. Mais c'est n'importe quoi en fait. Ils ont un peu le truc Untamed Italian, mais
Inter Made in Italian, mais on peut prendre n'importe quelle voiture dans toutes les épreuves. Il n'y a qu'une épreuve. Non, deux épreuves. Le Touring Car, c'était réservé aux véhicules italiens. Ah, quand même. Mais Rallycross, encore une fois, je serai forcé à rien. Je peux débarquer avec ma Lancer si je veux. C'est n'importe quoi. Ils auraient dû me forcer un peu. Me forcer à y aller, genre en Lancia Delta, je sais pas moi. Italienne, quoi. Ben non. Bon, je vais y aller avec ma Lancer. Parce que la Delta est un petit peu délicate à piloter. Ah, eux, ils sont bien tous en italienne, par contre. Allez, tu peux le faire! Oula, 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 ma petite. Un ours là? Et puis il me reste donc la dernière épreuve à faire en hypercar avec une Lamborghini Veneno, véhicule que je ne possède pas et qui va probablement me mettre sur la paille parce que c'est une hypercar. Bon, il me restera 300 000 quand même après. Bon, allez, quand faut y aller, je vais la prendre d'un petit rouge quand même pour essayer de la rendre supportable. Parce que c'est pas ma voiture préférée, hein. Niveau design, c'est pas trop ma tasse de thé. Allez, on va lui mettre quelques pièces. Bon, bah elle est prête.
C'est parti, qu'est-ce qu'il nous prépare cette fois-ci? On va se battre contre des street race? Ah ouais, Coconut Grove. Elle risque de manquer un petit peu de maniabilité quand même. Je sais pas pourquoi les autres pilotes ont pas déjà abandonné. Ouch. Une fois, mais pas deux. Bon, bah j'ai fait toutes les épreuves de ce summit, hein. Et ouais. Ouais. Bon bah sur ce, moi je vais vous dire ciao.